on est à Makamba, demain on sera à Rutana, et mercredi, jeudi, c'est à Bukuri. On est en train d'expliquer l'utilisation, la sensibilisation et l'utilisation des tableaux synoptiques, les tableaux qui consistent à planifier les activités du mois. Et comme pas mal de gens le savent, les juges se présentaient au service sans savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça déstabilisait leur rendement et ça ne permettait même pas la responsabilisation. C'est pourquoi on est en train d'expliquer comment, dès le début du mois, toutes la plupart des activités du mois principal sont planifiées conjointement avec le président, avec les juges, et pour aussi faciliter la gestion des ressources humaines ainsi que la gestion des congés. Les tableaux synoptiques permettent aussi le partage équitable du travail, parce qu'avant l'utilisation des tableaux, il y avait des juges qui allaient plus de 4 fois en audience publique, alors qu'il y a celui qui s'est présenté au service, mais qui ne s'est présenté en audience publique que 2 fois. Mais pour la planification, on fait le partage équitable. Et la planification permet aussi d'éviter quelque chose qui est caché derrière les audiences publiques, parce qu'il y a de la transparence, je dirais. Ok. Merci beaucoup. Okay. Merci pour votre temps.